Ma Mission TV, le miroir du monde. L'UGF commençait à inviter les gens à défiler. Nous risquons aussi d'avoir des défis, des déviances dans l'exercice de leurs fonctions. Parce que Bobo Sanate Maman Nangaï, il y a eu déjà un autre gouverneur qui était invité toujours dans l'IGF. Dès qu'on a vu son Mouyège, vous savez aujourd'hui le sort de Mouyège. Pourquoi ne pas signer le rapport final et la mission de service ou bien mission à contrôle au Basali, au niveau hôtel de ville? Faut-il organiser une séance na niveau ya ba installation ya IGF? On dirait que contrôle ya salama kine na IGF. Contrôle salami hôtel de ville. Hôtel de ville, je crois, il y a des grandes salles où peut koki ko contenir batunyo so IGF alinga ben sa ba assister na signature ya procès en question. To ya rapport final ya contrôle et salami. Nous savons que trop d'impôts, tient l'impôt, trop de taxes, tient le taxe, et que taxe nyonso et sengeli ezala na fondement juridique nango. Oyo ya rame toye bakite ni mutu ni makolo nango. Ba bengisa ye pour la première fois à Boyakoya. Et Dieu est dans cette fois-ci avec détermination et appui à population congolaise victime. Il y a escroquerie ou à grande échelle, nos députés ont pris leurs responsabilités. Bah, bénissier a eu coup de chapeau et pas mon amboka, Mboso Kodia, qui a eu la plainte ou bien le cri plaintif des pauvres Congolais que nous sommes. Que voilà, dans le gouvernement des guerriers, il y a un tout puissant ministre qui est en train même de cracher sur mémoire, il y a propre père, naïe, je cite le fait qui bat ça, qui est parmi les géniteurs, il y a eu des pèses, où ils allaient incarnation, il y a des valeurs démocratiques et républicaines, il y a le peuple d'abord. Voilà que l'un de vos produits, où il y a Tikilabiso, Nasea Mokilina Congo, a été à l'avant-plan, il y a escroqué par Imboka. Courage, naïe. Nani moutoua pesa yé conseil, il y a koye bisaba étudiant qui est contrepartie à RAM. Ezali ko bénéficier na wifi to internet na ba milieu universitaire, ce qui était faux parce que en ce jour maman nangai soki okeyi na ba université na biso ko banana na kisasa wifi etikala ko salate ya ngona loba mama bibi mama bibi jour balansa likambo ya wifi wana je mets quiconque a défi et ça la iner si maya iner. Je ne suis pas avocat de Justin Bitakwira, encore moins porte-parole naïe. Mais moi, je me dis, j'ai eu l'occasion d'être à ses côtés dans plusieurs rencontres intercommunautaires, na oyo tali cohabitation pacifique, na ba communauté ya est ya Mbokanabiso et surtout ya province ya Sud Kivu. Je ne l'ai jamais vu prendre la parole. Dans ce sens, il y a incitation et haine tribale. Alors, mais je sais qu'il a sa position. Et cette position-là corrobore avec ce que je venais de dire ici, que nos amis doivent accepter qu'ils sont Congolais, mais d'origine rwandaise, parce qu'ils sont venus de là. Mais être derrière d'autres complots macabres contre le pays, je crois que ça ne peut que susciter... Ma Mission TV, le miroir du monde. Bon vendredi chez vous, chers amis téléspectateurs de AmAm TV. Bozali Ebele Kolandabiso de partout à travers cette émission Allo Congo, l'émission de Pro Congo. J'espère que tous les Pro Congo sont déjà branchés à ce net moment pour nous suivre à travers cette belle émission préférée de tout le au Congo ou tout le téléspectateur ou spectateur de Ma Mission TV, le miroir du monde. Tout le barato zali, liso nabino sika information zali, lito inabino makolo nabino kokita entor ayel e koka mwisa bande ko ebele, komo nanga lisus mokolo alelo, parce que ezu penza mikolo ebele, oto monanite nabino maman bibi abela ki, elle avait perdu sa voix
pendant ce qui 3 jours et lelo nazali ko se forcer pour que na solo la lisusu na bino bande ko ebele ya ma mission TV o bozali ko landanga. J'espère que ko déranger moke ko yoka ke voix na ngai ko za la penza malamo mingi te une voix vraiment cassée mais bien parce que to lingara mosala oyo to ye lisusu lelo pour na ko servir bino parce que nous aimons vous informer to ke imbango na likambo etali bongo ba point ko lobela mokolo ya lelo vendredi to ko lobela likambo etali bongo plainte oyo bandeko ya banya mulenge bazali bongo kotika lundi 4 matin contre ex topé ancien ministre Justin Bitakwira oboyebi azali kotali sananga mbona bango te bandima bazali ba tuti congolais d'origine rwandaise nde likambo bazali kowela tokosolola yango tokosolola likambo etali ram ministre ya pétantique qui basa azala ki na ngambo ya assemblée nationale bomoni ndenge ba ndongwana ki kuna et puis ezali na honorable député oya mwasi mama Odette Mwamba oya marqué histoire ya likambo ya ram mokolo ya lobby bomoni ndenge nini misala malamu ezalaka partager na lombango avant même kuto bato babeta li solo na yango toko solo la likambo etali bongo IGF et invité gouverneur de la ville Gentini Ngobila le 1er octobre oyo ndeko Gentini Ngobila azali bongo invité et koleka ndenge nini toko solola yango et sur ce plateau na koyamba po na bino mwana mboka Jean-Louis Masimango azali lisusu moto ya ko présenter te po na bato nyonso balandaka biso tango toleka kana ba émission mais azali moto ya ko présenter po na bato nyonso bakolanda biso kaka mokolo ya lelo Azali, secrétaire général y a parti. Mpasa et naye de toko solola ba point ou nyonso. Natenge libino pona mokolo lelo. Azali nabiso, topesie bon vendredi. Pe mbote maître Jean-Louis Masimango. Mbote mama Bibi. Ako sepe la batuba landanga au-delà ya casquette nano ya moui politique. Loko la secrétaire général y a Mpasa. Ona pesie pe mbote pa président national maître Dodo Lutombo. Mais loko la moko ya ba notable ya parti wana ya république. Et je crois, je suis parmi les gens qui peuvent dire tout haut que bakoki ko solola likambo ya minembwe. Je suis parmi ceux-là qui ont participé na ba colloque belé intercommunautaire dans le cadre ya koluka kimia na au plateau ya Itombwe na côté ya Mwenga, côté ya Fizi, pe côté ya epabande kona biso ba fulero na niveau ya Uvira. Et je crois aujourd'hui, le Congo n'a pas besoin de la division, nous avons besoin de vivre dans la paix. Que ce soit pour ceux-là qui ont considéré désormais le Congo comme leur nouvelle patrie, et Zala, Bao, Union, Sobazali, Kofanda, Nakatia, Congo, que ce soit à l'est du pays, tout comme à l'ouest, au nord et au sud. Kasi, Nayokaki, Lokola Batunyoso, Ezali na bandeko oyo bazali ko déposer plainte na bango contre ministre Yakala ndeko to kulutu nanga Bitakwira que je salue aussi en passant avec qui nous avions été na ba réunion ebele na ba colloque ebele ezalaye ezala ndeko na biso Kaliba ministre pe Yakala ezala mwana mboka Nani, ancien vice-président Yasseni Kantitima, avec qui nous avions été dans les dossiers pour chercher à mettre la paix dans la partie Wana ya République. Je suis parmi ceux-là qui pensent qu'il est vrai, au Congo, nous avons des tout Congolais, mais d'origine rwandaise, parce que nous devons placer les mots qui conviennent na place Nango. Nous ne disons pas qu'ils ne sont pas Congolais. Et si kawana na kosepela bande konabi soba landanga malamu. De la même façon na koki kopesa exemple. On peut avoir aussi des bantous français mais d'origine congolaise ou d'origine africaine. De la même façon nous disons dans la partie est du pays, il y a des tutsi congolais mais d'origine rwandaise parce que la falsification de l'histoire finit toujours par nous rattraper. Nous savons qu'il y a plusieurs décennies Les seuls Congolais à accueillir les réfugiés rwandais, qui étaient réellement des Tutsis. Mais il s'est fait qu'après avoir vécu au Congo plusieurs décennies, où il y a certains Tutsis nés au Congo qui n'ont jamais été au Rwanda,
Il s'est fait que mibeko moko ya époque songolo et il faut reconnaître que batu nyonso bazalaki na mabele ya Congo avant accession ya mboka na biso na indépendance automatiquement bazui nationalité congolaise. À ce niveau-là, il n'y a pas de débat. Mais il s'est fait que comportement quelque part il y a bande konabiso oyo bazali ko occuper parti wana ya république et zali comportement moko malsain qui blesse aussi la conscience collective, Mama Bibi. Vous vous souviendrez dans ce pays, on a connu une situation, il y a guerre, depuis l'avènement, il y a AFDEL, l'avènement, il y a RCD Goma, l'avènement, il y a MLC, où certains pays voisins ont été indexés dans la déstabilisation à Congo. Et il s'est fait que le Congo a enregistré plusieurs massacres, dont je peux vous citer ici, massacre à Makobola, massacre à Kasika, et dans l'événement du siècle, Oyo et Salema nulle part au monde où on a vu des armées étrangères se battre sur le sol congolais, évidemment, et Zalaka à niveau à Kisangani, où le peuple rwandais, le peuple ougandais était indexé. Maintenant, on se pose des questions. Comment expliquer toutes les guerres qu'on a connues à l'est du pays? Ezali na tributo communauté moko songolo dont fait partie les Tutsis congolais d'origine rwandaise qui sont aussi impliqués na makambo ebele ya mabeu le kakana est. Je crois que le problème se pose à ce niveau-là. Maintenant pour ce qui concerne la cohabitation pacifique ya ba communauté na mboka na biso. Nous savons dans cette partie de la République, nous avons le peuple Lega. Nous avons le peuple Bembe. Nous avons les Bafoulero dont fait partie l'excellence honoraire ou bien ministre honoraire Justin Bitakwira. Il est vrai, il a sa position. J'ai eu l'occasion de le suivre à plusieurs reprises. Il n'a jamais été contre le peuple Tutsi d'origine rwandaise. Mais il y a un problème d'abord de se définir. Kondima était. Nous sommes des Congolais, mais Touta et Sika Songolo. Problème est à Liboso, ils ont se posé dans le niveau. Alors, pourquoi ils allaient poser problème pendant que Ndeko Tozu, par exemple, yo, Touta Tangomoso sous Brazzaville, le lot au Komi Congolais, il y a Kinshasa, mais ceux qui balobi ba rappelé, yote, origine na yo, ils allaient Congo, RC, ils allaient poser problème. Mama, nakanisi namboka bapa ya Tolanda kanabilili. Il y a même certains pays européens, à l'occurrence, je peux vous citer l'Italie et la Belgique, où on a vu des Belges et Italiens, mais d'origine congolaise, exercer de hautes fonctions. Il y a bamboka wana, mais ils n'ont jamais refusé au moins leur source de provenance. Le premier problème se pose à ce niveau-là. Et sengeli bande konabiso, sans haine aucune. Bandi manano kuyeba ete, Bauta et Sika Songolo, ils ont été récits accueillis dans le sol congolais et dans ce sol-là à ces autochtones. Problème à Liboso, se posé non à niveau à maman Nangai. Problème à Mibale, ce qui ba yambi bino, bandi mi bovanda lokola pe ba imboka, ezali na likambo ya mabele. Nous savons que dans nos coutumes, dans nos traditions, il y a des protecteurs, il y a des valeurs coutumières. Vous ne pouvez pas accepter que Bato Obino Boyambi, les loto lobby, Bangope Bako, ma propriétaire et à droit du sol, et surtout que Banda ko revendique Oyo Tobengi pouvoir ancestral, to pouvoir coutumier. Je crois problème et pas à Bande Konabiso, qui se réclame aussi être des Congolais comme nous autres. Naba communauté avec le même droit. Problème est à Liboso et Zalina na niveau wana. Donc, ce qui est Zalina Bandeko, au Bazaliko Kanisake, il y a un problème, il y a haine tribale. Je crois qu'ils sont en train de se tromper. Personnellement, je ne suis pas avocat de Justin Bitakwira, mais déjà, encore moins porte-parole naïe. Mais moi, je me dis, j'ai eu l'occasion d'être à ses côtés dans plusieurs rencontres intercommunautaires, na Oyo Tali, cohabitation pacifique. Naba communauté ya Est, ya Mboka na biso, et surtout ya province ya Sud Kivu, je ne l'ai jamais vu prendre la parole dans ce sens et à incitation et à haine tribale. Alors, mais je sais, il a sa position, et cette position-là corrobore avec ce que je venais de dire ici, que nos amis doivent accepter qu'ils sont congolais mais d'origine rwandaise, parce qu'ils sont venus de là.
Mais être derrière d'autres complots macabres contre le pays, je crois que ça ne peut que susciter réaction. Il y a ma fils digne moussous sur un mot qu'appelle le colabisso. Koloba et teke bandeko, c'est une question qui est sensible et qui doit être prise au compte avec plus de sérieux. Au lieu et à la prise na légèreté, parce que bah dongolomi sur yamabe peuvent en profiter. Alors, là, fongo la parenthèse, maman Bibi na ozong c'est là où malwa pas qu'il s'agit de Minembwe. Vous savez, il n'y a pas longtemps dans ce pays, on a connu un problème yako érigé Minembwe le kola commune rurale. Oyopeto yaki komona ke simanango, il y a des gens qui avaient déjà des intentions de considérer cette entité là comme un état tout entière, alors que le Congo restera un indivisible tel que nous l'avions hérité de la colonisation. Et je crois, paix à son âme, maréchal Mobutu, c'était aussi son combat qu'on ne perdra même pas un centimètre à sol congolais. Et moi, je me dis, si la guerre de Bitakwira aujourd'hui s'inscrit sur cette ligne de conduite de préserver l'intégrité territoriale et que certains Congolais qui se réclame être congolais, ne soit pas au service et à main noire, au détriment, il y a intérêt à Bayimboka. Alors, je pense à Mbana. Alors, maître, question nanga Elingie Vanda, na esika ya Minembwe. Au lobby et salaki polémique, congolais nyon soit salaki na rage, ya koluka koye ba penza, soki likambwana et salaki nengenini. Le lote mokonzi Mboka zonga ki atali site à lobby, bakenena na kovandisa likambwana na kati ya Maya Malili, pote ezonga sima, po Kongole, nyonso a telemaki na likambo ya commune rurale. Pourquoi à chaque fois ils ali ko zonga, ko sala débat, presque ko boma moto, presque ko kweisa moto na se, et lelo bazali ko talisa likambo. Il y a plainte contre Ndeko Justin Bitakwira, ou bazali ko talisa tazali ko coïncité na haine. Mama, ngana ko sepela, soki ezali na bandeko oyo, bazali sima ya likambo ya plainte wana, bazala na courage ya ko s'afficher pe ko se prononcer koloba ete biso toye komona justice parce que mokolo tel date tel na ngonga boye Ndeko Bitakwira azwa maloba to ayebisa batu songolo ba poser ba acte o ezali kolakisa ete ki ya un tribal. Moi je sais dans le Grand Kivu, dans le Kivu qui est d'ailleurs ma terre natale, moi, il y a un problème, il y a identité, na appropriation, il y a sol, au mépris, il y a ba autochtone. Et je crois que c'est ça le nœud du problème. Nous ne devons pas nous cacher les choses, nous devons nous dire des choses en face. Nous allons dire au président de la République, et je crois, je l'avais encore déjà dit ici, nous devons éviter aussi de laisser plusieurs questions sensibles dans l'état à VS. Le Kola Likambo Yaminembo, à l'époque, le président de la République avait pris la disposition de dire qu'on mettra en place une commission pour aller auditer, enquêter sur cette tricherie qui voulait avoir lié et qu'on aille à dénoncer jusqu'au point où, je me rappelle, le ministre provincial Louabange, qui avait dit que Ezala qui sur orientation à ordre, il y a mon Mboka Azaria Siruberwa, où on avait même vu l'ambassadeur américain se déplacer Tina Minembwe. Et si Kaobiso Baimboka, ba protecteur, il y a ba valeur républicaine, ba protecteur, il y a sol congolais, côté le Makolobaete, nous sommes d'accord de vivre en paix, en cohésion avec nos frères qui s'appellent Banyamulenge. Malgré que ce vocabulaire-là aussi n'existe pas dans la tribu, dans la communauté, sur le plus de 450 tribus qu'on a, on n'a jamais une communauté qui s'appellerait Banyamulenge. Nous savons qu'il y a des Tutsi congolais, mais d'origine rwandaise. Et à l'époque, je me rappelle bien, j'avais même prodigué un conseil à nos frères qui vivent à niveau ya Minembwe, de se comporter le col à Bandekonabiso Moussous Tutsi d'origine rwandaise, mais qui sont des Congolais au Bazali à niveau de la province. Il y a Nord Kivu qui n'ont jamais été une source et un problème dans Mbokanabiso. Pourquoi seulement tout doit partir de cette partie-là de la République et surtout plusieurs rébellions qu'on a connues à l'Est? Et aujourd'hui, l'exemple est patent, Isali, d'un dissident et armé Nabiso, colonel Makanika, qui a emporté plusieurs militaires, toujours de son obédience, il y a communauté naïe, et pour vendre à l'image du monde qu'ils sont marginalisés, ils ne sont pas aimés, ils sont tués. Et moi, je vais encore plus loin.
ils n'ont jamais été minoritaires de konanga imama bibi. Yo zali journaliste et investigation. Banda kozwa ba tribu nyoso tozali nango na Congo, vous réaliserez tribu wana au bénéfice même à doute na benga bango banyamulenge, ils n'ont jamais été minoritaires. Moi je me dis que ce sont des Congolais, il est vrai, mais ils doivent se comporter aussi comme des patriotes qui aiment le pays et non servir de pont pour des intérêts obscurs au détriment y a intérêt y a baimboka. Alors pourquoi lelo balingi babenga bango banyamulenge selon bino? Nakanisi identité wana banyamulenge soki ozongi na histoire to na sociologie ya mboka na biso bakoye bisayo ke quand ils sont venus et pas cette génération qui est là aujourd'hui. Génération ya baoyo baboto baboti ba koko na bango obaya à l'époque quand on les a accueillis, on les a installés na ngombo babengi mulenge. Et c'est à partir de cette colline-là qu'ils se sont appropriés même les noms de la colline pour s'appeler Banyamulenge. Mais dans la nomenclature tribale ou ethnique, Yamboka Congo, je mets quiconque à défi, Kombowana et Tikala Kozala. Alors, nous savons qu'il y a des Tutsi Congolais d'origine rwandaise. Alors, et il ne faut pas avoir honte pour le dire. Alors, les lots qui sont sengeli, ils sont Mokanda pour accuser, ancien ministre Justin Bitakwira, qui ont été Tutsi, qui Mokanda, qui Nyamulenge, qui Mokanda. Ça ne nous surprend pas, maman Nanga, ezala dans le cadre de la communauté Tutsi, où yunga nazo reconnaître, ezala dans le cadre même ya jargon to sobriquet, Banyamulenge, ça me rappelle l'histoire to époque ya paix à son âme papa Yérodia. Pendant que Yérodia était devant tribune des Nations Unies, kolakisa na miso ya communauté internationale qui avait un complot contre le Congo, dont certains pays voisins étaient utilisés en complicité na groupe moko ya baoyo bavanda kana Congo pour massacrer le Congo. On a vu observer et loko ti lelo toyeba kate s'était monté de toutes pièces koloba ete Yérodia doit faire objet d'un mandat d'arrêt international parce qu'il est en train d'inciter les gens à la haine tribale et exterminer une communauté. Ça me rappelle cette époque-là et que le même diable, acceptez-moi le terme, qui était dans cette machination de l'époque, n'ont pas encore disparu. Ils sont toujours dans leur combine pour que les lots, pendant que le Congo est focalisé sur son développement, pendant que les acteurs sociopolitiques de notre pays doivent regarder dans la même direction, dans le souci de la transformation de notre État, dans le souci d'appuyer le tas de sièges, que ça ne soit pas une fiction, mais plutôt une réalité pour mettre fin à la situation sécuritaire et à l'Est. Voilà, on vient avec un autre débat. Il y a Likambo, il y a plainte contre Bitakwira, juste pour nous distraire et qu'ils réalisent leur sale besogne. Mais nous disons que ça ne passera pas. Il est vrai, si ces gens-là, maman Nangaï, maman, tous ceux qui ont un dossier à ramener, non, biso ceux qui te télémélient les camboloko là-bas imboka, les cambouana ceux qui allaient à Mabé s'engueuler s'arrêter. Alors, tu continues directement dans les cambou et les ram, parce que déjà au Lobeliango, les cambou et les ram, mukolo à lobby, comment au trouver plénière, topé réaction y a bas député na affaire ram face y a ministre y a pétantique. Je me sens d'abord dans la peau d'un digne fils du Congo. Okay. Un vrai compatriote, un vrai défenseur et à droit, tout, bah, devoir, y'a bah, imboka. Je suis parmi Batou Yaliboso, Oyo Kakaba militant, bah, défenseur et à première ère. Y'a qu'au défendre escroquerie planétaire, y'a rame instrumentalisé, orchestré par un géniteur du gouvernement Samalou Kondé, mais qui était déjà dans le gouvernement diabolique qu'on avait condamné à l'époque, il y a Ndekonabiso Pepe Ilunga Ilunkamba. Yango na kubananano na deux questions, et je crois, ba question na pe ba imbo kabazali komitu nango. Na yebite par quel bateau magique?
Ndeko na biso Kibasa Maliba, qui était déjà dans le premier gouvernement, il y a Pepe Ilunga Ilunkamba, s'est retrouvé dans le gouvernement Sama Lukonde. La réponse peut être la suivante. Pour que ba reconduire Moutouna poste naye, Elingi Kolobake, c'est quelqu'un qui a mérité, quelqu'un qui a bien travaillé et qui kote naye Zali Malamu. Kasi Likambo ya rame, parce que yango ne maman na Likambo lelo. Ezwi presque une année. Il y a exploitation illicite, il y a pauvre population congolaise, au mépris, il y a mibeko, il y a mboka. Nous savons que trop d'impôts, tirent l'impôt, trop de taxes, tirent le taxe, et que taxe nyonso, et sengeli, ezala na fondement juridique nango. Oyo ya rame, toye bakite ni mutu, ni makolo nango. Mais maman, tikana nona félicité. Député Azwaki Courage, Yakobengisa Ndekonabiso Kibasa. Qui était devenu comme un roitelet. Oyo Babengisa est déjà à l'époque, mais qui avait systématiquement refusé en défiant le pouvoir législatif. Oezali même pouvoir to organe ya contrôle, ya action, ya gouvernement. Babengisa est pour la première fois à Boyakoya. Et Dieu est dans cette fois-ci, avec détermination et appui à la population congolaise victime. Il y a escroquerie ou à grande échelle. Nos députés ont pris leurs responsabilités. Babengisa a eu coup de chapeau et pas mon amboka, Mboso Kodia, qui a été la plainte ou bien le cri plaintif des pauvres Congolais que nous sommes. Que voilà, dans le gouvernement des guerriers, il y a un tout puissant ministre qui est en train même de cracher sur mémoire il y a propre père Naye, je cite le fait qui bat ça, qui est parmi les géniteurs, il y a IDPS, où ils ont l'incarnation, il y a ba valeur démocratique et républicaine, il y a le peuple d'abord. Voilà que l'un de vos produits, Oyo Tikilabiso, Nasea Mokili na Congo, a été à l'avant-plan. Yako escroqué Baimboka. Et aujourd'hui, réalité est rattrapée. Tala niveau réalité est rattrapée, Maman Bibi. Na interview to explication na Yaliboso à l'époque. Aye bisabiso ke ram. Ezali ko sale mapona objectif mibale. Yaliboso kolite contre ba téléphone ya mabe. Contrefait ya ba téléphone. Mais biso tozongi sa mutuna epanaye. Le Congo n'a aucune entreprise à fabrication ya ba téléphone. Ba téléphone nyonso euta kalibanda pe ele kakana procédure ya contrôle ya OCC pe futa kampako ya l'état na nzela ya DGDA. Alobi eloko ya mibale et ko empêcher vol ya ba téléphone et salema. Biso to répondre à l'époque lukuta. Est-ce qu'on peut évaluer aujourd'hui, depuis Batiara met en place, combien de gens ont été victimes à vol et à téléphone et combien ont récupéré leur téléphone grâce à l'instauration et à RAM? La réponse est zéro. Explication, on a à l'époque, il y a eu un téléphone. Il y a eu Maman Bibi, quand on a eu un téléphone, il y a eu un téléphone et il y a eu un entourage. Nani mutu apesa ye conseil ya koyebisa ba étudiant ke contrepartie ya RAM ezali ko bénéficier na wifi to internet na ba milieu universitaire. Ce qui était faux parce que en ce jour maman nangai soki okeyi na ba université na biso ko banana na kisasa wa wifi etikala ko sala te. Yango na loba maman bibi. Maman bibi. Jour balansa likambo ya wifi wana. Je mets quiconque a défi. Et ça la iner. Si maya iner. Tile lo li bungu tulu. Et lo ko mokote. Alors ici ka talisi. Na défense na ya mokolo ya lobi. A talisite. Eko sunga na likambo itali gratuite yonse. Na lingi na koma siko na lokuta ya mibale. Oyo ye moko soki lelo gouvernement de guerriers. C'est un gouvernement sérieux. Tous les ministres doivent se désolidariser na ministre ya pétentique. Parce qu'il vient de faire la honte contre action ya gouvernement.
pe vision ya mokonzi ya mboka ya gratuité ya enseignement. Pourquoi na sengi ba se désolidariser na mama na ngai? Nous savons que le président de la République, parmi les projets phares ya mandat na ye, nous avons la gratuité et enseignement, ce qui est une bonne chose malgré aussi les couacs que nous retrouvons dans la matérialisation ya gratuité et enseignement. Voilà, aujourd'hui, il y a quelqu'un, Monsieur le Président de la République, son excellent chef de l'État, qui se lève contre votre vision. Parce que quand il dit que Ram Ezali Kosunga pour réaliser gratuité enseignement, et Lingi Kolobake, l'enseignement n'a jamais été gratuit au Congo. C'est comme si on déshabillait Saint-Pierre pour habiller Saint-Jean ou bien Saint-Paul. Donc, quelque part, c'est quelqu'un qui doit être déclaré personne non grata pour avoir saboté vision ya mokonzi ya mboka. Mama Bibi, oyebi lelo ram. Ezali ko concerné ba utilisateur nyoso ya ba téléphone. Kasi tokoki ko tuna ye ministre. Est-ce que tous les utilisateurs des appareils mobiles, bazali ba parents ou bazali na bana na école? Nous disons non. Il y a même certains mineurs qui utilisent le téléphone et qui sont aussi victimes et RAM. Est-ce que akoye bisabiso batuana bazali concerné na kufute la bana na bango ba frère académique to frère scolaire? Donc quelque part azali moini ya peuple yango to sengi na ba député na biso parce que mama bibi biso to zali bato to ya kana alerte tangu to yoki ke ya ça ne va pas ba yebisi biso kanyake zo tambola déjà. Nde sika na ningina bande a olingio comme sika ngo ministre avant to komakuna ministre azali choqué na ngambo na ye kota la te ba traité ye na ba député ebele d'un escroc d'un voleur na ngambo na yo soki otali réaction ya ba député mingi o bazala ki mokolo ya lobby nini okoki koloba na ba propos o ba député mosusu ba traité ministre ya pétantique. Je crois que le ministre avant le baké azali choqué, a koki komiti na place ya ba milliers ya ba congolais o bazala ki te bazala peti lelo victime ya escroquerie wana. Quelque part dire qu'il est choqué, c'est se moquer de la conscience collective des Congolais. Ye tango banda ki likamone wana ya ram. Ayeba ki te ke si manango ba député bazali o esengeli ba contrôler action ya gouvernement. Ayeba ki te ke biso population to si to pesa mandat na représentation nationale o esengeli avant tout et défendre ba intérêt ba imboka. Yango mona ki la fois passé na beta ki c'était o lié ba député bo sepela na ba balisade ba jeep olix insola o yo bozui o to yebi pe mutu na makolo na ngote bo défendre nano intérêt ya population. Et parmi intérêt ya population to yebike mutungisi ya rame ile kisaki. Il y a même des familles où perdre batu. Le campo na kaka likambo ya rame. Il y a des gens qui sont morts parce que ils ne savaient pas communiquer ni kobenga ba médecin ba ya au secours pona nini moi inite muke atie asa isali nini ekeye na likambo ya rame. Donc quelque part le ministre dire qu'il a été choqué, c'est se moquer de la population. Ce qui se cobisope ba imboka tolobike tozali choqué contre mise en place et mise en fonctionnalité ya eloko babengi RAM. Est-ce qu'il saura supporter la colère de l'ensemble des Congolais? Alors nangambo wana ba député moko ya mwasi ameki ko sala honneur mokolo ya lobby na ba maman pe na ba Congolais nyonso o balanda ki mokolo ya lobby azala ki même menacé na percheur tango azu maloba atali sita lobby misolo to pe kanyaka itamboli na assemblée nationale na ba député mosusu pote ba meka bongo ko défendre député na 48 heures o ya azali ko zonga, c'est-à-dire ba député ba défendre pardon ministre na 48 heures o ya azali ko zonga tango alobi yango ba ifisa ki a retiré parole o kolobani. Mama oyebi na lopoto balobaka un arbre dans l'eau même 100 ans ne deviendra jamais un crocodile. Na koki kotia mutu na ngai à couper, même on a le bac, j'ai même ma tête à couper. Ata ce qui bâti que l'inde kokibasa inane à kokende ko préparer ba réponse. Toko tika la kozoa réponse, moko ya malongate et panaye. Parce que lui-même, il sait, il nous a mis dans quel pétrin.
coup de chapeau et pas honorable wana na bosani kombo na ye Odette Mwamba. Merci beaucoup Mama Azali Odette mérite respect ya Baimboka pour avoir eu le courage de dénoncer ce qui était comme vague ya kotia batu na kati ya toiboyi ya escroquerie planétaire. C'était une escroquerie d'État parce que ezali na fondement te et surtout que ezali na contrepartie réelle te. Toyoki misolango ezali déjà presque plus de 150 millions de dollars. Yango tokoyebisa ba député nde sika na linga kina koma. Ils doivent cette fois-ci sauver l'honneur et l'Assemblée nationale. Olieka katoye bakake bazali batu ya kanyaka. Cette fois-ci, si on vous propose la corruption pour que le ministre reste à son poste, bobo ya yango. Ça va de soi aussi na bilan na bino ya 2023 où on reconnaîtra que vous aviez sauvé la nation contre groupe moko ya ba Leviathan qui était en train de mettre le pays en péril et surtout sa population en difficulté. D'où na kusenga na ba député na biso en unanimité bozwa mesure moko exemplaire et pas yande kona biso kibasa qui est un congolais aussi de père et de mère yango ndeko tiani yo mutu obandaki koluka likambo ya ba congolais de père et de mère. Est-ce que aujourd'hui vous ne pouvez pas donner raison au président de la République qui avait dit et qui ne cesse pas de dire que ce sont les congolais de père et de mère oyo batie mboka na situation oyo. Est-ce que le long de konabiso kibasa il est congolais de père et de mère ou bien il est congolais 50-50? La réponse est qu'il est congolais de père et de mère. Mais ta la situation a tie biso na kati nango, ta la situation yo a tie gouvernement de guerriers na kati nango et je crois il n'est pas le seul. Il faudrait que au-delà ya ko déchoir yé na fonction na yé ya ki ministre, il doit répondre aussi devant la justice parce que c'est ça la consolidation de l'état de droit. Okay. On ne peut pas piller tout un peuple et rester impuni sans répondre. Et que mbongo wana ezonga na libenga ya l'état. Mais... et au-delà de lui, s'il y a aussi d'autres complices, et sengeli justice et landela bango parce que toyebi mbongo wana zoli yango ye mokote. Surtout que maman nangai esi ke zali kope sa passe. Dejera de sali point de presse. Et lobby etikala komona ta traçabilité mokote ya mbongo ya ram. Yango bakotokotuna bango mbongo wana ekendeke. Wapi. Et tous les commissionnaires aussi impliqués doivent répondre. En commençant par ba société na biso ya télécommunication. Oyo bazala ki complice ya escroquerie wana ya grande échelle. Batu oyo nyoso bazali na kati ya commission. Ya kolandela misolo wana parce que toyebi y avait la répartition de pourcentage et sengeli bo sanza yango mbongo wana ezonga na l'état. Alors maître Jean-Louis Massimango tokomi kokoma na mwa suka ya émission na biso mais point na biso ya suka pote tolobela mokolo ya lelo mbongo wana soki avant tokota na point suka mbongo wana soki balobi bazongisa bakozongisa yango déjà toyeba nanu ezalaka wapi na trésor public, to ezalaka na ministère ya pétentique, to ezalaka na maboko ya ba télécommunication, ba société ya télécommunication. Je crois l'IGF doit réellement nous aider par rapport à la situation wana. Tozali komona IGF kotambola par-ci par-là, mais voilà une occasion en or où ezali ko intéresser ensemble ya population na biso parce que biso nyoso bayimboka tozala ki ba victime pe tozali ba victime tilelo ya escroquerie ya mbongo wana. C'est ça le vocabulaire peut-être. Terme escroquerie ko kiko choqué batu mususu, mais nous devons savoir appeler chacha chien chien. Ezali escroquerie planétaire ya population congolaise et sengeli IGF et landela eye ba mbongo wana ezali logé na compte nini et compte wana nani mutu afongola yango pour que population azala épargné na complot planétaire ya koyiba ye mbongo. Yango na lobaki mama bibi esengeli to sala attention. Basaleli biso a ba eloge ya ba réserve ya échange, réserve de change ke emati e pa na biso. Une bonne chose. Mais na lobaki to keba.
Sinon, nous risquons d'assister les jours à venir. Aussi, yoki ministre Songolo Asia Ibi Mwandambu, ministre Songolo Ibi Mwandambu, et que quelques temps après évaluation, il y a comme chaotique, sans impact, na attente et à population, parce que tout est collant dans le collant, tout le cas, déjà, IGF. À sali alerte na niveau ministère à sport. Yes, sport. Moi et mieux moko ezolinga kende côté wana. Le loyo toyo kipe côté toyo ki côté et je crois d'ici là to koma na likambo a ville à Kinshasa et lingi koloba esengeli ba imboka na no ba fungula miso pe batu oyo bazali na mokonzi ya mboka ba sunga ye. Et kozala malamu te na 2023 to banda ko konté kaka ba nombre ya ba détournement ya mbongo au détriment ya attente ya population. Parce que le président de la République, c'est celui qui incarne l'espoir de tout un peuple et que Baoyo Bazali naye réellement basungaye pour que au moins, quand il prendra le discours, ya koya nango et pas ya peuple congolais, comme on kasi aloba ki élection kozalana 2023, au moins azalana ba argument fort et solide ya ko présenter la population pour que permettre que la population ye ba soki ko renouvelé confiance au pas et pas maître Jean-Louis Massimango. Mais entre-temps, la question au nazali ko tuna mingi mingi na monsieur le ministre ya pétantique monsieur ministre Kibasa ezali neti biso ba toto zalara na 4 et sim sim ya ya numéro à TV ya émission na nga liboso ya émission ami balé sim nanga privé sim ya rédaction donc ba katarabiso na 4 et 6 mwana nyonso so rozu moi 10 dollars à reportage au recharger na ba téléphone wana ba longoli yango nyonso batché mais soki ezala ki pona identification kaka ya ba téléphone n'est-ce pas esengela ki ba katabiso kaka mokolo moko c'est une question alors tokei na ngambo ya hôtel de ville Jantini Ngobila Mbaka, Azali Bongo invité, Nangambo ya IGF pour Namokolo le premier, Maître Jean-Louis Massimango, Monsieur Jules Alingete, Nanzela ya IGF chez Ngobila Mbaka, le gouverneur de la ville, Oyo Kinegeni Nitango, aux yeux informations. Bon, maman, Ezali Naba Sige et Bele, Oyo Nazalaka d'accord na IGF, mais Ezali Naba Sige Moussouso Nazalaka d'accord na IGF T, na terme ya procédure. Ok. Oyebi IGF esengeli pe éviter et se substituer na parquet financier ndenge na lobaka. Nous savons que IGF ezali kosala musala malamu mais esengeli pe musala ango emeka kozala structuré pe eye bake en matière administrative la compétence et d'attribution. Nous savons que na niveau ya gestion ya ville il y a un organe délibérant où ils allaient charger na contrôle et action il y a gouvernement provincial où ils allaient assemblée provinciale au peut-être taki comment on rentrer na bango lelo il y a ouverture parlementaire et assemblée provinciale c'est une bonne chose na meka ki kolanda un peu président Godin pour le pasteur que je salue mais je n'étais pas d'accord na yen à certains points surtout na mon ezali distraction pure et simple koloba était aujourd'hui la ville de Kinshasa est éclairée. La période même à Kondo Maréchal, je crois que c'est faux. Il y a une partie à ville où ils allaient éclairer, ce qui est une bonne chose. Mais on doit vérifier aussi parce qu'ils allaient na minda moussous ou ils ont pelali sous-souté. Cela voudrait dire qu'ils allaient qualité à malamouté. Na outa qui aéroport dernièrement, na pesa qui je crois na loba qui angwa na chaîne na yo, de aéroport tio koma na Kingasani, c'est dans le noir. Éclairage, ils allaient te. Kasi koleka na itando ike devant les élus provinciaux. Affirmer quelque chose qui n'est pas totalement vrai, les alibis, contradiction. Nayo qui peut alobi bafou les alibis sous-souté. Nayo bité. Heureusement, maman. Heureusement, yemoko avandi na bandal. Ati kanano koleka 24, ame kakoko tempe pa na biso na kasavubu na sayo. Je crois il aura le temps. Ya kolanda maya lobi lelo na oyo akomona sur place. Alors tozonga na sujet na zonga na sujet ya IGF. Na bandai koloba y a un organe délibérant, il y a province et sengeli nano et contrôler action ya ya gouverneur. Il est vrai et ko kipe kozala na ba défaillance na yango. Mais de quel droit IGF a ko se substituer na musala ya ko bengisaka ba autorité politico-administrative et pas na ye po ba ya ko samba ba se justifier non maman na ngai. Mabe sali se IGF non ndeko IGF, azali na ba inspecteur na ye, akotinda bango
na administration urbaine ya ville ya Kinshasa et si kande kona bisongo bilazali kokamba bakoya ko contrôler utilisation ya misolo ya contribuable congolais soki ezali affecté réellement au bénéfice ya intérêt à ville ya Kinshasa selon ce qui est prévu na carte ya budget na bango et selon le programme qui a été donné par le gouverneur soki basilisi contrôle wana bakosala rapport et pas ya qui de droit. A qui de droit ndesko ya komona est-ce que rapport oyo makambo ezali dénoncer na kati ezali ya solo to ezali ya solo te soit to fongoli ba action disciplinaire et pas ya bandeko bazali ko répondre na hiérarchie administrative soit to fongoli voie judiciaire oyo to kotinda dossier et pas ya procureur pour que aye ba ko se saisir na ba fait so ke ezali ba fait réel ouverture ya dossier judiciaire et sala nini et fongwama. Mais quelque part, l'UGF commençait à inviter les gens à défiler. Nous risquons aussi d'avoir des défis, des déviances dans l'exercice de leurs fonctions. Parce que Bobo Sanate Mamanangai, il y a eu déjà un autre gouverneur qui était invité toujours dans l'UGF. Dès qu'on a vu son Mouyège, vous savez aujourd'hui le sort de Mouyège. Et que c'est quelqu'un qui a été bloqué ici à Kinshasa jusqu'à ce qu'on a assisté aussi na ba scénario à mauvais goût où les lesoti a pe ba province na biso ebele na kati ya instabilité. Je crois que na kusenga na IGF. Je ne dis pas que de Congo bila azali sain na gestion na ye, il y a beaucoup de choses aussi à lui reprocher par rapport ya gestion à ville à Kinshasa. Oh, tout le monde a qu'à un certain moment, il y avait une complicité entre les bureaux et l'assemblée provinciale, na exécutif provincial, parce que Balingi batouté, ba mon clair sur la gestion de la ville, et que IGF, et ça, la moussala nango, le lenge et l'ongobani, au lieu aussi d'être des terroristes financiers, pour que instabilisation, paix, instabilité, et comme la province est ville à Kinshasa. Alors, maître Jean-Louis Massimango, lelo kota la te bango batalisi, pokoyo ka okoloba, batalisi te mission na bango batinda ki na ngambo ya hôtel de ville, et si li esengi siko ba kende na séance ya travail, na gouverneur de la ville, na ngambo ya IGF. Pourquoi ils ali ko Kubangisa, maman, kope... au-delà ya kubangisa, et il est vrai, mutu soki a yebili kambote ya kuki kubangate. Okay. Ngai na kote lingo bilate, na kondane pe totalement IGFT. Mais na lobby IGF, soki musale ya ki kosale mande na hôtel de ville. Pourquoi ne pas signer le rapport final ya mission de service ou bien mission à contrôle au basali na niveau ya hôtel de ville? Faut-il organiser une séance na niveau ya ba installation ya IGF? On dirait que contrôle est salama qui n'est na IGF. Contrôle est salami dans l'hôtel de ville. Hôtel de ville, je crois, il y a des grandes salles. Et on peut qu'on puisse contenir Batounion sur IGF à l'ingé, ben, ça va assister. La signature, il y a procès en question. Toi, il y a rapport final à contrôle et salami. Et que, na souka, il y a rapport à l'ingé, Batindango et pas ya bakonzi oyo bazali na pouvoir wana ya kozwa ba décision sur ce qui doit arriver par rapport à la gestion ya ville. Okay. Mais en même temps, comme politique, je mets déjà en alerte que nous devons éviter que derrière cette situation qu'il y ait des manipulations, des machinations politiques de certaines personnalités ou bien certains partis politiques qui visent déjà ces postes-là à hôtel de ville pour que bazala na sima ya ba manigance ya mauvais goût au détriment ya développement ya province na biso parce que ça ne va que nous retarder. Nous savons aujourd'hui pendant que nous tournons l'émission nous avions eu des rapports au niveau de l'Équateur. Et si quand même, il y a des batouba koufi. On présente nos condoléances. Et si quand même, il y a des batouba koufi. Ezali inacceptable. Pour perdre deux Congolais. Ezali inacceptable, Mama Bibi. Ce qui, assemblée provinciale, na ba gouvernement provincial, et qui, comme, et si quand il y a confrontation, il y a positionnement politique, au détriment même, il y a attente, il y a population locale et abantité au bango bazali kokamba. Alors bozali ebele kolanda biso point souka tokosil sanango ezali exeta ebimi na ngambo na yo nini ozali kozela na ngambo ya bana o biso totinda kidobi batanga kelasi.
Na après ba résultat nano ba ndeko oyo ba kozwa na ba examen d'état félicitations mais en même temps j'aimerais un peu rappeler autorité à tutelle ya ministère wana nous avons intérêt de produire la qualité et non la quantité. La quantité parce que je l'ai toujours dit que le Congo est le seul pays au monde qui produit autant de diplômes avec autant de pourcentages mais l'apport de ces pourcentages là dans la transformation de la société ezali zéro. Okomona bana ba sepeli ba tie fufu na mutu et rentabilité na bango lobby par rapport ya ba bezo yo mboke za nango ezali zéro. Donc nous devons encore fournir plus d'efforts pour que la qualité ya ba intellectuel tozali ko produire na Congo bazala réellement utile na mboka na biso au lieu d'avoir autant de diplômés pour que bao bazo kambaka kaba s'enrichir bazo mbongo wana ya présentation avec examen d'état ainsi de suite mais qualité ya bato tozali kotinda na marché ezali inefficace et je crois que ça ne va pas nous avancer nulle part. Merci beaucoup maître Jean-Louis Massima Ngonde Ngonzima qui pour répondre na invitation na biso ya lo Congo a mokolo ya lelo et merci na parti na binopé Mpasa. Merci maman Bibi. Mpasa pardon. Mpasa mouvement des patriotes voilà. Pour l'action sociale africaine. Alors ndenge ezali ko pesa openzela à chaque fois ou les kaka na kombo ya parti pe na kombo na yo moko na émission na biso. Topesio merci. Merci beaucoup maman Bibi, ce que vous permettre na ça mot de la fin. Pour na kanisi pour na lelo mot de la fin pour na lelo parce que na koyé. Oui Bibi, so tozali ba habitué à ma mission TV, une chaîne qui fait la fierté en tout cas, merci la fierté. Il y a monde et a média ya mboka na biso pe libanda. Na likambo ya est, j'ai été clair na lobby de konabiso Bitakwira. Nous devons analyser la situation à cohabitation pacifique ya ba ethnie ya est. Et à l'occurrence, il y a Sud Kivu avec plus d'attention. J'ai confirmé aussi que les Bazali Komi Benga, Banyamulenge ne sont pas minoritaires par rapport à la tribu Mususu. Et Sengeli ne peut pas éviter qu'on se victimise à tout moment. Et Sengeli to vanda na kati ya cohésion nationale, na kati ya Bomoko, et que toye bake au Congo, il y a des Tutsi Congolais, mais d'origine rwandaise. Et que Batu Oyo Bazali Sima ya plainte wana. Bazala na courage ya ko s'afficher pe baye bisabiso motivation ya plainte na bango contre Ndeko Bitakwira que je salue en passant. Par rapport ya likambo ya ram, nous réaffirmons notre volonté ferme de barrer la route na escroquerie wana planétaire et que au-delà ya déchéance ya ministre Kibasa, il doit faire objet d'une poursuite judiciaire et que mbongo wana traçabilité nango toyeba et que ndaka wapi et que tous les complices qui sont derrière lui puissent aussi répondre de leurs actes parce que les arguments formulés par Kibasa ce sont des arguments antipatriotiques, des arguments où ezali antisocial et que ezali kokende à l'encontre na volonté à mokonzi ya mboka au lieu gratuité et enseignement ezala réel. Et comme il est là, hypothétique, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu affirmer devant les yeux des Congolais que Bisoka Kabaimbo Kande Tozali ko continue à supporter ba frais scolaire à Banana Biso par le trichement ya RAM, Oyo Bisonyo Sotozali ko telemela. Et que l'état de droit et Sengeli est servir d'exemple. Et Zalate lobby après lobby, malgré qu'Azo Jouir nan on a présomption d'innocence, et Zalaloko la dossier de Konabiso est tenu. Pour distraire le peuple congolais, bah, kotien na boloko, deux jours, trois jours après, liberté provisoire, peli kambangwe salinini, et keiti na mai. Merci beaucoup. On a connu dans ce pays, moutou, kolongwa na prison, kozwa liberté provisoire, kokoma directement premier ministre. Pe ti lelo likambango et soukabongo, parce que liberté provisoire na Congo, ezalaka lokola acquittement définitif. Il y a un dossier qui va être pesé sur vos épaules. Et que la situation est en Gobila, il y a IGF, il y a avec plus de sérénité. Mais je ne suis pas d'accord. Il y a déplacé responsable de l'institution. Il y a province. On dirait que IGF est comme moi, tribunal ou bien parquet, mon Songolo.
Ezali na compétence on a okende ko sala contrôle, bo sali contrôle bo silisi et siko bo ya sala contrôle bo signé ba PV ya rapport nabino pe bo tingi yango pa ya qui des droits. Merci beaucoup maître Jean-Luc Massimango, merci. Na balandignon soya ma mission TV le miroir du monde à travers le mission Allo Congo, l'émission de Pro Congo, bozala ki ebele kolanda biso de partout bozali 148 000 abonnés, tozali ko continue ko pesa bino merci pour la fidélité. Confiance, grâce à confiance, nous avons dit que nous avons dit continuer nous avons dit bobo nous avons dit que nous avons dit que nous information ezali lito inabino makolo nabino ko kitantan réel bato ebele batuni question Pro Congo ezali nini Pro Congo ezali magazine d'actualité générale otozali des informations pardon générale otozali ko pesa bino ba information nyonso nakati ya Pro Congo Magazine, parce que ça a des informations, autant que nous avons invité, nous avons invité beaucoup retrouver dans la Katia Pro Congo Mag. Dans la Katia Pro Congo Mag, nous avons dit que nous avons une présentation de Tozali Ebele, Tozali Namananga, Patricien, Tozali na Thierry Kelekele, Tozali Ebele, au pétan, nous avons découvert Bangote. Nous continuons comme ça la confiance. Dans ma mission TV, na Pro Congo Mag, donc continuer comme ça la bino Mosala. Ndenge bino kusenga kabiso to lobaka tozali liso na bino lito inabino makolo na bino to ko continue ko sala yango parce que c'est notre mission. Merci à Volzing Ituka derrière la caméra en même temps machine. Merci à Olivier Vico, merci à Bemes Bajoko, merci na bandeko nyonso o bazala ki wana pona ko sangisa mayele pote mission o bolandi ezala penza lo lenge bino bolingaka. To kutani mbala sima pona ba information mosusu entre-temps bon vendredi chez vous. Ma mission TV, le miroir du monde.